Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voici comme promis la deuxième partie de la FAQ. N'oubliez pas le petit pouce qui fait plaisir. Et je vous dis à demain pour un live de ouf de midi à 17h. Bisous bisous et bon visionnage les amis. Alors, question suivante. Question de notre ami CLR Nirox. Tu préfères avoir 1 million d'abonnés et faire du 100 vues ou avoir 10K d'abonnés et faire 300? Franchement, aucun des deux. Aucun des deux, Niros. C'est pourquoi que je fasse 100 vues, 10 000 vues, 300 vues, c'est pareil, je m'en fous. Parce que tant que je prends du plaisir à faire des vidéos, des lives avec vous, c'est ça mon plaisir en fait. Moi, je regarde pas les vues, je regarde pas le nombre d'abonnés, je m'en fous. Comme j'ai dit, YouTube, c'est une passion. Voilà, avant tout. Moi, je m'en fous qu'il y a un viewer ou 10 000, 100, je m'en fous en fait. Moi, le but d'être sur YouTube, c'est de vous faire plaisir et de parler avec. Merci pour ta question, en tout cas, notre ami. Question suivante. Alors, question suivante de notre ami Nono TRX. Tu t'appelles comment? Je m'y attendais à cette question. Bonne question, mon petit Nono. Eh ben, je m'appelle Loïc. Voilà. Je m'appelle Loïc. Voilà, vous le savez. Ça fait bien, Loïc. Voilà, je m'appelle Loïc. Voilà. Vous le savez maintenant, mais pour vous, ça sera toujours ch'ti. Voilà les amis. Alors, question suivante. Et je vous l'ai dit, il y a beaucoup de questions. Vous avez été nombreux. Franchement, j'étais étonné d'avoir autant de questions. Mais franchement, c'est gentil. Notre ami, question de notre ami Dia du 369. T'as des enfants, ch'ti? Oui, j'ai des enfants. J'en ai 6. Vous direz, waouh, 6 enfants? Ouais, 6. Mais comme j'ai dit, c'est une famille recomposée. Voilà, moi j'ai 3 enfants. Ma femme a 3 enfants, dont un en commun, de notre petite fille qui s'appelle Marina. Voilà. Donc moi je considère que j'ai 6 enfants parce que moi, une famille recomposée, ça n'existe pas pour moi. Parce que ça soit les enfants de ma femme ou de mien, c'est mes enfants, c'est pareil. Et elle, c'est la même chose. Donc voilà. Donc j'ai 6 enfants pour répondre à ta question. Voilà. Et au passage, dites-moi mes enfants. Voilà. Question suivante. De notre ami Anitro. Qui t'a donné envie de live? Est-ce que tu kiffes Okuto no Keto? Sinon, tu gères. Et qui force? J'espère que c'est bien prononcé. Donc, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des lives? Comme j'ai dit, j'étais dans une team Papillon. C'est la team qui m'a donné envie de faire des lives. Et après, comme j'ai dit, on s'est séparés et j'ai voulu continuer pour faire des rencontres. Comme ça me permet aussi de jouer avec vous et éviter de jouer tout seul dans un coin. Voilà, voilà, voilà. Et je kiffe, moi je kiffe tout le monde, moi, Mitros. Je kiffe tout le monde. Voilà, pour répondre à ta question. Voilà. Genre de questions, mon petit Mitros. Mais merci de l'avoir posé. Question suivante de notre ami Karma, encore une fois. Quel est ton travail? Donc, quand j'ai déjà posé la question, mais je vais la reposer, voilà. Quel est mon travail? En fait, je m'occupe des livraisons d'une grande surface sur Internet. Voilà. Vous commandez, paf, moi je reçois une alerte. Paf, je regarde votre commande, je la commande, paf, je vous renvoie un mail. Et puis voilà, tout simplement. En gros, qu'est-ce que je fais, les amis? C'est en gros qu'est-ce que je fais. Parce que bon, je n'ai pas rentré dans les détails, mais c'est en gros qu'est-ce que je fais. Voilà. Tout simplement. Voilà, merci pour ta question, mon petit Karma. Question suivante de notre ami SCR Miros. Est-ce que tu as déjà fumé? C'est une très bonne question. Oui, quand j'étais petit, jusqu'à l'âge de 16 ans, et après, ça ne me faisait plus rien. J'ai arrêté du jour au lendemain. Voilà. Donc, je ne fume plus du tout. Du tout, du tout. Après, comme je dis, on est jeune, on a essayé, voilà. Qui n'a pas essayé, comme je dirais, qui n'a pas essayé au moins une fois dans sa vie. Voilà. Donc, non, je ne fume pas. Voilà. Et j'en suis content. Vraiment. Question suivante. Splendide. Wesh, pilote. J'espère que tu vas bien. Quel est le meilleur moyen de commencer ta journée? Ça m'intéresse. Très bonne question. Très bonne question. Et je te remercie de l'avoir posée. Donc, quel est le meilleur moyen de commencer ta journée? Ah bah déjà, faire un bisou à ta femme si t'en as une. Déjà, voilà. Boire un petit jus d'orange et faire un petit jogging.
courir un petit peu, de temps en temps, ça fait du bien. Quand je peux, ça m'arrive de le faire. Ça m'arrive, mais quand je peux. Voilà, c'est ça le meilleur moyen de commencer la journée. C'est de faire un petit câlin, tranquille, boire son petit café, regarder les news, les jeux vidéo et tout, et puis faire un petit peu du jogging, puis voilà, se mettre en forme et puis bien commencer ta journée. Voilà, avant de débuter les lives, ton travail, ben, etc., etc. Voilà, merci pour ta petite question. Mon petit splendide. Question suivante. Question de notre ami Nuno TRX. Ma question est, qu'est-ce que penses-tu des gens qui mangent des pâtes avec la mayonnaise? Bah franchement, j'en pense rien, Nuno, parce que moi, j'en fais aussi partie. J'adore ça. Les pâtes à la mayonnaise, franchement, c'est bon. C'est très très bon. Franchement, si vous avez jamais goûté des pâtes à la mayonnaise, franchement, je vous le conseille, à pur délice. Voilà qu'est-ce que je pense de ta question, mon petit Nono. Voilà, merci de te l'avoir posé en tout cas. La question suivante est de notre ami le gamer YouTube. Pourquoi as-tu commencé à YouTube? Une très très bonne question. Très très bonne question. Bah, comme j'ai dit sur les questions qui précédentes, j'ai commencé YouTube parce que grâce à ma team Papillon, que j'ai voulu mettre un peu en avant, de mettre notre gameplay en avant. Voilà, ça s'est commencé comme ça et après j'ai continué solo et voilà, voilà, tout simplement. Tout simplement. Question de notre ami SR Niros. Bon, il y a souvent des personnes qui reviennent parce qu'ils m'ont posé différentes questions, donc voilà. Pourquoi tu as choisi le pseudo HT80? Bah, tout simplement parce que je suis HT-Bilote. Eh ouais, je suis HT-Bilote. J'habite en Haute-Somme, dans le Nord. Voilà, du mon pseudo HT-80. Voilà, et mon 80, c'est le département où j'habite. Voilà, tout simplement. C'est tout con, hein, mais c'est tout simplement. Tout simplement. Question suivante de notre ami Charline. Coucou mon petit ch'ti, ma question est comment as-tu connu Cricri? C'est une jolie question. Bah je l'ai connu en boîte de nuit, voilà. Et ça fait 6 ans que ça dure. Voilà, tout simplement. Tout simplement, et on s'est connu, en fait, la musique, je me souviens. La musique qui passait ce jour-là, c'était Dis-moi oui de Kim B. Je l'ai invité à danser et ça s'est fait comme ça. Voilà, on a dansé sur ça et on a appelé notre fille Marina à la chanson. Voilà, tout simplement. Tout simplement, les amis. Alors, question suivante. Alors, la question de... Ah, plusieurs questions même. Roro, t'as mis le paquet, Roro, ouais. Aïe, 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 aïe. Bon, je vais quand même te répondre à ces différentes questions. La première question de notre ami Roro. Quelle est la série? Ma série, c'est Naruto Shippuden. Franchement, j'adore ça. Deuxième question. Tu préfères chien ou chat? Franchement, je préfère chat parce que c'est moins chiant qu'un chien. Voilà. Troisième question. Quel est ton parfum? Quel est mon parfum préféré? C'est mon parfum préféré. C'est du whisky. C'est du parfum whisky. Vous savez, les flacons rouges, blancs, noirs. Ça s'appelle whisky. Parfum whisky. Voilà. Franchement, ils sont très très bons. Vraiment. Même si c'est une marque de boisson, hein, mais j'aime bien. Question numéro 4. Tu préfères popcorn salé ou popcorn sucré? Moi, je préfère du popcorn sucré. Ouais, voilà. Parce que ça donne mieux, enfin, c'est mieux en bouche. Voilà, c'est moins amer. Parce que je trouve que le sel, c'est amer. Question numéro 5. Quel était ton travail et tes rêves? Donc, dans la vie, avant, je voulais faire mécanicien auto. Et après, j'ai vite abandonné parce que le lycée où je voulais aller, il n'était pas très réputé. Voilà. Quels sont mes rêves? Mes rêves? Bah, je crois que j'ai accompli vraiment une partie de mes rêves. Déjà, trouver ma femme de ma vie, c'était un de mes rêves. D'avoir des enfants, c'était aussi un de mes rêves. Ouais, franchement, j'ai trouvé mes rêves. Ouais, voilà. Et moi, après, mes rêves, et tout, quoi, en fait. Voilà. Question numéro 6. Parce qu'il y en a beaucoup, hein, question. Tu préfères une monoplace, ou une citadine? Ouais, je préfère une monoplace, hein, parce que c'est plus grand, déjà.
vu que j'ai beaucoup d'enfants, donc c'est plus grand et ça aiderait beaucoup. Voilà. Donc voilà, ça y est la question. Ouais. La question numéro 7. Tu aimes avoir des plaques à détruire ou des brûleurs à gaz? Ah, des plaques, oui. Je vois qu'est-ce que tu veux dire comme question. Tu préfères des plaques chauffantes ou plaques à gaz? Bon. C'est une question vraiment là. C'est une question. Voilà, je te réponds quand même. Je préfère des plaques chauffantes parce que j'ai une phobie avec les plaques à gaz. J'ai peur. Vu que peut-être que j'ai des enfants et tout, je sais pas. Donc voilà, je préfère des plaques chauffantes, c'est moins risqué pour ma part. Voilà. Question numéro 8. Quel est ton signe astronomique chinois? Franchement, mon signe astronomique chinois, je le savais. Dans mon signe, bah, déjà, si je suis bélier. Mais mon truc chinois, franchement, je sais plus. Désolé, j'ai un moment qui me dit. Mais vraiment, je sais plus. Quels sont les prénoms de tes enfants? Oula. Bon, dans l'ordre, je vais vous dire Kelly, Anaïs, Mathéo, Manon, William et la petite dernière, Marina. Voilà. Et question 10, si tu pouvais y aller, quel pays tu aimerais habiter pour toujours? C'est vraiment une très très bonne question. Bah, j'aimerais aller en Tunisie. Bah, j'ai déjà été, hein, franchement, j'ai déjà été au Pays-Bas. Hein. J'aimerais habiter en Tunisie parce que j'ai déjà été en vacances 4 fois. Ah ouais. Franchement, c'était cool. Vraiment, les gens sont super sympas et tout, super accueillants. Franchement, j'aimerais bien habiter. Franchement, il fait toujours beau. Franchement, c'est un bon pays. Vraiment. En tout cas, je te remercie pour et bonne chance pour répondre aux questions pour la fête. Ouais. Aïe aïe aïe. Ouais. Question suivante de Yaz. Salut Ch'ti, le boss. Tu as déjà fait de live ou des vidéos avec d'autres youtubeurs? Des lives avec d'autres youtubeurs, c'est-à-dire avec notre ami Boss. C'était le premier à faire un live ensemble. J'ai fait aussi des vidéos avec des lives avec Monsieur Zeron. J'ai fait avec Maman Will. J'ai fait avec Tonton Lego il n'y a pas récemment. J'ai fait avec notre ami Timothy. J'ai fait avec notre ami John Nevada. Et je compte en faire encore d'autres, les amis, parce que j'aime bien faire partager des lives avec eux. Franchement, c'est super cool. Mais je peux pas vraiment tout en faire parce que trop en faire c'est pas bien non plus. Il faut être aussi solo aussi de temps en temps, ça fait du bien aussi. Mais j'en referai d'autres. Ouais, faire des vidéos, franchement, ouais, ça serait vraiment intéressant. Après, j'ai fait déjà des vidéos, ouais, c'est avec notre ami Nitroz. Nitroz, il fait aussi avec des vidéos. Et notre ami Mac Power, il fait une vidéo. Et notre ami Zetoun. Voilà. Mais j'aimerais faire d'autres vidéos, ouais, pourquoi pas. Si vous êtes intéressé à faire des vidéos, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, Damien. Vraiment, je serais avec volontiers avec faire des vidéos. Vraiment. Voilà, ça se termine là, les amis. Franchement, il y en avait beaucoup de questions, ouais. Franchement, je vous remercie encore. Encore désolé d'avoir mis du temps à vous répondre, mais c'est chose faite. Voilà, donc je vous dis franchement dans un prochain live ou une prochaine vidéo parce qu'il y a des vidéos qui vont arriver encore, les amis. Voilà, donc une vidéo, franchement, ça vaut le détour. Donc, j'en dis pas plus. Donc, nous, on se retrouve dans un prochain live ou une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Restez toujours vous-même, les amis, vraiment. Et à une prochaine fois. Salut, salut!